Voilà, monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les Pays-Bas en état de choc après l'explosion en pleine ville d'un dépôt de feux d'artifice. 20 morts, 560 blessés. Avec cette polémique, comment un tel entrepôt pouvait se situer dans des zones d'habitation? La marche d'un million de femmes américaines à Washington et dans d'autres villes pour s'opposer aux armes à feu. Elles réclament une législation plus contraignante pour protéger leurs enfants. Violent combat en Sierra Leone, la ville stratégique de Masiaka passe aux mains des forces gouvernementales, offensive des rebelles et contre-offensive. Reportage dans ce journal. Le festival de Cannes, de l'univers feutré des palaces, aux écrans de cinéma, la vie des festivaliers, avec aujourd'hui le film de James Ivory avec Nick Nolte et Uma Thurman. Aux Pays-Bas, l'explosion d'un entrepôt de feux d'artifice en plein quartier résidentiel a provoqué une telle déflagration que les témoins se réfèrent à l'image d'un véritable bombardement pour raconter ce drame qui a secoué la ville d'Enschede hier. Le bilan provisoire fait état de 20 morts, 562 blessés, sans compter les corps emprisonnés sous les décombres des maisons éventrées. Un pays entier sous le choc. Olivier Galzi. La scène est filmée par un vidéaste amateur. 100 tonnes de feux d'artifice partent en fumée au cœur d'un quartier résidentiel. Attirés par la beauté paradoxale du spectacle, les badauds contemplent l'événement à quelques rues de distance, sans se douter qu'une immense explosion va bientôt faucher une partie d'entre eux. Bilan, 20 morts et plus de 550 blessés. Ce matin, c'est un paysage digne d'une scène de guerre que les habitants d'Enschede ont découvert. Dans un périmètre de 500 mètres autour de la fabrique, il ne reste plus rien que des ruines. Parmi les victimes, plusieurs pompiers, morts en tentant de sauver des vies. Toute la nuit, ils ont évacué la population, 2000 personnes en tout. Toute la nuit, ils ont lutté contre les flammes. Mais une fois l'incendie vaincu, la physionomie des décombres ne laissait guère de doute sur la possibilité de retrouver des survivants. Ce matin, la reine Béatrix et le Premier ministre des Pays-Bas se sont rendus sur place. Ils ont appelé de leur vœu l'ouverture rapide d'une enquête pour déterminer les causes du drame. En fin d'après-midi, les secouristes ont fait place aux nettoyeurs. Tous portaient un masque de protection. Et c'était l'autre mauvaise nouvelle de la journée. Selon la mairie, un nuage d'amiante libéré par l'explosion surplomberait actuellement la ville. 24 heures après cette catastrophe, la polémique s'amplifie, chacun se demandant comment un dépôt de feux d'artifice d'une matière aussi inflammable pouvait cohabiter avec la présence de nombreuses maisons d'habitation. 400 d'entre elles seraient sérieusement endommagées. Le Premier ministre, on vous l'a dit, a demandé l'ouverture d'une enquête alors que sur place, la reine Béatrix, dès ce matin, tentait d'apporter son soutien aux rescapés. Nos envoyés spéciaux, Yasmina Farber, Blaise Grenier. Choqués ou curieux, pour eux c'était la promenade du dimanche. Derrière le périmètre de sécurité, ils attendent. Certains vivaient dans le quartier, ceux qui n'ont pas été trop touchés veulent savoir s'ils peuvent réintégrer leur maison. Cette explosion, décrite comme un tremblement de terre ou un bombardement, leur donne encore froid dans le dos. Quel choc. J'étais sur mon vélo et j'ai senti le souffle de l'explosion dans mon dos. Tout le long, il y avait des débris de verre. C'était la panique totale. Ce qui s'est passé hier, nous avons marché au milieu du feu. On croisait des gens qui saignaient, qui pleuraient. Je n'arrive pas à vous décrire tout cela. C'était terrible. À l'intérieur de la zone quadrillée, encore de la fumée. Quelques journalistes peuvent constater les dégâts sur ces petites maisons, simples mais coquettes. Au total, 2000 personnes ont été évacuées. Ceux qui n'ont plus rien sont logés dans un gymnase. Tout a brûlé. Les gens n'ont pas d'argent. La banque a distribué 100 florins à ceux qui en ont besoin. Du gâchis. Après l'émotion, c'est la colère des habitants qui ne soupçonnaient pas l'existence de ce stock de feux d'artifice. Comment est-ce possible que ça ait explosé?
Comment peut-on implanter ce type d'entreprise là où des gens vivent? Là est la question. Le Premier ministre a souhaité désamorcer la polémique. La première urgence est de reloger les habitants. Ensuite, une enquête sera ouverte pour déterminer comment 100 tonnes de matériel explosif peuvent se retrouver entreposées au milieu des maisons. Aux États-Unis, des centaines de milliers de femmes américaines en colère. Ces mères de famille dans les rues de Washington et de nombreuses villes du pays pour cette marche contre les armes à feu, sans doute le rassemblement le plus important de ces dernières années, pour demander aux politiques un durcissement de la législation sur les armes. Si l'on en croit un sondage récent, près d'un Américain sur quatre a été menacé par une arme. Correspondance Étienne Lénard. Le t-shirt que portait Betty ce matin raconte en images le drame de sa vie, la mort par balle de son fils chéri à l'âge de 16 ans. La pancarte que brandit Christine témoigne elle de la mort de son mari, tué d'un coup de pistolet par des adolescents. Paul, son fils, n'avait que 2 ans. Je pense que nous devrions enfin suivre l'exemple des pays civilisés et nous débarrasser de nos armes. Nous devons dire au gouvernement ce qu'il faut faire, sinon ils ne peuvent pas savoir. Comme Betty, Christine et Paul, en cette journée de fête des mères aux États-Unis, ils étaient des dizaines de milliers venus dire leur ras-le-bol de la violence et des armes à feu. Les armes qui tuent, les chiffres sont terribles, un enfant toutes les 2 heures à travers tout le pays. Tous ont entendu Bernadette, dont la famille, un jour de juin 1987, est entrée dans les statistiques, crier sa colère. Cette mère de famille a vu l'un de ses fils, âgé de 17 ans, tuer son frère à bout portant après une banale dispute. Depuis, elle n'a de cesse d'éduquer les enfants de son quartier. Comme vous le savez, nous avons des lois qui existent. Mais les jeunes peuvent très bien aller à une foire aux armes dans un autre état et acheter des pistolets parce que les lois y sont différentes. Mais preuve que le combat de Bernadette est loin d'être gagné, cette contre-manifestation ce matin même à quelques centaines de mètres de la marche des mamans, quelques dizaines d'autres mères venues, elles, dire combien il était important de disposer d'une arme à feu pour se défendre au cas où. Le 2e amendement de la Constitution américaine les y autorise et elles entendent bien défendre ce droit. Pour moi, c'est important de pouvoir défendre ma famille. Et si je n'éduque pas mes enfants et plus tard mes petits-enfants, quel exemple serais-je pour eux? Seul l'avenir dira si la mobilisation d'aujourd'hui est de nature enfin à faire changer les choses. Car à observer aujourd'hui ces dizaines de milliers de personnes, on ne pouvait s'empêcher de se demander combien de victimes supplémentaires, combien de drames familiaux seront nécessaires avant qu'une majorité d'Américains ne se laisse convaincre que le commerce des armes doit au minimum être régi par des règles beaucoup plus strictes. En France, le mouvement des convoyeurs de fonds risque de se durcir. Aucune sortie de crise pour l'instant ne s'est dessinée. Prochain rendez-vous demain après-midi, mais d'ores et déjà, les syndicats considèrent les propositions faites comme très insuffisantes. Reste à savoir maintenant et pour les jours à venir, comment les différents établissements bancaires vont approvisionner les distributeurs automatiques pour parer à la pénurie d'argent liquide préoccupante pour les consommateurs et les commerçants. Reportage Émilie Lançon, Gilles Marinet. Il est presque minuit. Après 13 heures de discussion, les convoyeurs de fonds sont déçus. Les négociations reprendront demain. Elles butent toujours sur le même point, le paiement d'une prime de risque. Je vais dire aux gars de faire le blocus, de bloquer encore plus. Je ne vais pas dire qu'est-ce que vous en pensez. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas dire que vous en pensez quand on a demandé 1500 francs par mois puis qu'on en a 400. Après 6 jours de grève des convoyeurs de fonds, on ne peut pas vraiment parler d'une pénurie de billets. Même si aujourd'hui, sur les marchés, les appareils à carte de crédit ont plutôt bien fonctionné. Par rapport à d'habitude, un peu plus. Mais en fait, c'est pas encore, on voit pas trop la différence quand même. Mais ça, c'était pour ceux qui avaient de la chance. Car ici, dans ce village de Bretagne, les deux distributeurs sont à sec et ce n'est pas bon pour les affaires. Moi, c'est des petites sommes, 6 francs, 10 francs, 15 francs, et les gens les gardent pour l'alimentation. Ça se sent clairement ce matin. Si la grève des convoyeurs de fonds vient à durer, que va-t-il se passer? Dès demain matin, les banques, tout au moins celles qui ont des distributeurs accolés à leurs agences, vont être obligées de remettre en circulation des billets usagés. D'habitude, les distributeurs n'acceptent que les billets neufs ou en très bon état. Mais en modifiant certains paramètres, même les vieux billets pourront être acceptés. Pas de panique donc, nombre de distributeurs devraient à nouveau être alimentés en argent dès demain.
L'un des sujets politiques largement commentés cette semaine, la réduction à 5 ans du mandat présidentiel. Il y a quelques instants, Michel Alliot-Marie, chez nos confrères d'RTL Le Monde, est revenu sur le quinquennat, se prononçant pour un référendum qui pourrait se tenir le même jour que l'élection présidentielle. Je vous propose de l'écouter. Est-ce qu'il doit arriver avant l'élection présidentielle? Est-ce qu'il doit arriver au moment de l'élection présidentielle? Pourquoi pas, après tout? Ou est-ce qu'il doit arriver juste après l'élection présidentielle, les candidats s'étant l'un et l'autre engagés à ce que, les uns et les autres, je dirais engagés, à ce qu'il ait lieu dans les, mettons, trois mois après l'élection. Alors, quelle solution est votre préférence? C'est plutôt celle que vous venez d'expliquer? Moi, je pense que cela pourrait être en même temps que l'élection présidentielle pour une raison qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, là, il est facile, quand nous sommes autour d'une table, de parler de tout ça d'une façon assez détachée. Mais regardez un petit peu ce que vont faire les Français. Les Français vont être, dans les deux années qui viennent, appelés à aller 5 fois aux urnes. Au chapitre judiciaire, la Cour de justice de la République siégera à partir de demain pour examiner une simple affaire de diffamation concernant Ségolène Royal pour des propos prononcés en 1997 alors qu'elle était en charge de l'enseignement scolaire. C'est la deuxième fois en 7 ans d'existence que cette haute instance se réunit. Dominique Verdaillan. Une impressionnante solennité pour une affaire de diffamation que les magistrats jugent habituellement dans la plus totale indifférence. Depuis sa création, la Cour de justice n'a siégé qu'une fois, en février 1999. Comparaissait alors devant 12 parlementaires et 3 magistrats, 3 anciens ministres. Un dossier de santé publique lourd, l'affaire du sang contaminé. Seul Edmond Hervé fut condamné avec dispense de peine. Ce sont pour des propos tenus en octobre 1997, alors qu'elle était ministre déléguée à l'enseignement scolaire, que Ségolène Royal doit de comparaître devant cette juridiction réservée aux ministres. Octobre 1997, lycée Thiers à Marseille, un rapport d'inspection académique dénonce un bizutage musclé avec la complicité des enseignants. Ségolène Royal critique publiquement ces agissements. Je vais prendre des sanctions sur ceux qui ont organisé ces faux emplois du temps et qui ont sciemment remis entre les mains des bourreaux, parce que je crois que c'est comme cela qu'il faut qualifier les choses, des jeunes qui sont venus là pour étudier. Deux enseignants du lycée Thiers se sentent visés. Ségolène Royal étant ministre, ils portent plainte devant la Cour de justice. Cette juridiction ne reconnaissant pas le statut des parties civiles, les deux plaignants seront à l'audience de simples témoins. Ségolène Royal, qui a décidé, elle, d'instruire le procès du bizutage, a fait citer comme témoin son ancien collègue, Claude Allègre. Demain, face à ces 15 juges, Ségolène Royal encourt pour diffamation, 6 mois de prison et 80 000 francs d'amende. Dans la bataille déjà engagée pour les prochaines municipales, les déboires, ou plutôt les difficultés de Catherine Trottmann à Strasbourg, celle ministre a appliqué rigoureusement le non-cumul des mandats, celle qui fut en charge de la culture, avait quitté la mairie laissant la place à son premier adjoint Roland Riss. Or aujourd'hui, elle a toutes les peines à s'imposer dans son fief. Catherine Trottmann veut pourtant être le seul pilote à bord. Christine Beauce, Patrick Schumacher. Entre Catherine Trottmann et Roland Riss, rien ne va plus. 20 ans d'amitié n'auront pas résisté à la frénésie du pouvoir. Si le divorce n'est pas prononcé, la déchirure est réelle. En jeu, les prochaines municipales de 2001. Pourtant, lorsqu'en juin 1997, Catherine Trottmann, nommée ministre de la Culture, laisse les clés de la mairie à son premier adjoint pour respecter la règle de non-cumul de mandat, le contrat semble clair. Je ferai le maximum pour faire en sorte que lorsqu'elle reviendra, je ne sais pas quand, elle retrouve la maison en état de marche et les projets qu'elle a lancés avancés. 1999, année de la discorde. Ministre de la Culture critiquée, Catherine Trottmann souhaite retrouver un ancrage local, alors que Roland Riss a pris goût à ses fonctions. Après des mois de tractation, un compromis est trouvé. À lui, la mairie. À elle, la présidence de la communauté urbaine. Ce ticket sera valable le jour où je ne serai plus ministre. Ce qui était une perspective lointaine devient une réalité plus rapidement que prévu. Catherine Trottmann est remplacée par Catherine Tasca le 28 mars. Mais l'instinct politique reprend immédiatement le dessus. Je crois qu'à toute situation politique nouvelle, il faut apporter des réponses. Totalement disponible pour Strasbourg, l'ancienne ministre estime le compromis caduc, jetant une confusion totale parmi certains élus et militants socialistes. Si les Strasbourgeois le choisissent, j'entends exercer naturellement le mandat de maire, j'entends aussi exercer celui de présidente de la communauté urbaine.
Même si Roland Ries s'est assuré d'une place privilégiée aux côtés de Catherine Trottmann, c'est la fin d'un tandem. Et en créant sa propre liste, l'actuel maire pourrait hypothéquer l'avenir de la gauche à Strasbourg. Je ne suis donc pas a priori favorable à cette perspective, sauf si, bien entendu, aucun compromis ne s'avérait possible. L'investiture officielle par le Parti socialiste de Catherine Trottmann comme tête de liste pour les municipales ne règle pas pour autant le différend. Tenté de tester sa légitimité sur le terrain, Roland Ries n'a pas exclu de mener sa propre liste. Aux Philippines, les négociateurs sont partis pour Manille afin de consulter le président Joseph Estrada. Il ne faut pas espérer une issue rapide à cette crise des otages, ont déclaré ceux qui sont en charge de parlementer avec les rebelles, qui continuent toujours de refuser la libération de l'otage allemande sérieusement malade. La violence et la frénésie des combats en Sierra Leone, où s'affrontent les soldats gouvernementaux aux troupes rebelles. Hier, la ville stratégique de Masiaka, à quelques 75 km de la capitale, a été prise par les forces régulières. Reportage de nos correspondants permanents en Afrique, Éric Meunier, Roger Motte. La liesse à Masiaka. Les troupes gouvernementales viennent tout juste de reprendre ce village, le routier stratégique, à 65 km à l'est de la capitale Freetown. Des combats entre les rebelles du Front révolutionnaire uni, le RUF, la veille et le matin même encore. Et côté gouvernemental, un message clair, ces rebelles du RUF ne font plus peur. La preuve, ils reculent sous les assauts de l'armée sierra-léonaise, épaulée par des milices plus ou moins structurées. Face à la menace rebelle, l'ONU a accepté de réarmer les troupes régulières et ses casques bleus tiennent des points de contrôle à 20 km de là. Sans pour autant participer au combat, les troupes de l'ONU qui tiennent pour l'instant la capitale de la Sierra Leone ont apporté un soutien non négligeable aux combattants que nous voyons ici. La confiance est revenue dans le camp gouvernemental et le chef d'état-major de l'armée sierra-léonaise n'a pas attendu 24 heures pour féliciter ses soldats après la victoire. Un colonel satisfait du résultat, plus critique sur la manière. Il faut qu'on se calme, qu'on sache se contrôler. More discipline. Plus de discipline, c'est ça. Voilà, c'est tout. Le chef du secteur donne le bilan de l'assaut. 23 morts chez les rebelles et un prisonnier. Les autres sont retournés dans la forêt et préparent sans doute déjà la contre-attaque. Et en effet, la ville de Masiaka est ensuite retombée pendant quelques heures aux mains des rebelles avant d'être aujourd'hui reprise par l'armée régulière. Nouveaux affrontements en Cisjordanie et à Gaza. 14 Palestiniens au moins ont été blessés, et ceci à la veille d'une grève générale décrétée par l'autorité palestinienne. Climat donc d'extrême tension, comme en témoigne ce reportage de notre correspondant permanent, Charles Anderlin. À Gaza, ce sont le Hamas et les autres mouvements de l'opposition à Yasser Arafat qui ont manifesté pour la libération des prisonniers encore détenus en Israël. Cela se passe devant une position de l'armée israélienne près de l'implantation de Netzarim. La police palestinienne tente de calmer les esprits. Elle est vite débordée. Et les soldats israéliens ouvrent le feu avec des balles de métal caoutchouté. Il y a une douzaine de blessés. Pendant ce temps, à Ramallah, alors que l'autorité palestinienne avait annoncé que demain sera la journée du réfugié, les habitants du camp d'Al-Amari ont décidé d'exprimer aujourd'hui leur mécontentement. Ils ont refusé la participation d'officiels à leur défilé. Cette manifestation est un message à l'autorité palestinienne pour qu'elle ne fasse pas de concessions sur le dos des réfugiés. Nos armes sont destinées à montrer que nous n'arrêterons pas la lutte pour notre droit au retour. Plus tard, près de Ramallah et à Hébron, de nouveaux affrontements ont opposé des jeunes Palestiniens à l'armée israélienne. Cette multiplication des accrochages est l'expression d'un sentiment croissant de frustration au sein de la population palestinienne. Les pourparlers avec Israël n'avancent pas. Une nouvelle réunion des négociateurs aujourd'hui à Jérusalem n'a rien donné. Et par ailleurs, dans une prison du nord d'Israël, le mouvement de protestation de quelques 750 prisonniers a tourné au drame. Plusieurs dizaines de détenus palestiniens auraient été blessés par des soldats israéliens. En Allemagne, élection test pour ce scrutin régional de Rhénanie-Westphalie. Le parti du chancelier Schröder, le SPD, s'impose largement dans ce land le plus peuplé du pays.
En Serbie, le président Milošević et sa femme ont assisté cet après-midi au palais de la Fédération à Belgrade, aux funérailles du chef du gouvernement de Vojvodine assassiné hier, les plus hauts dirigeants serbes et yougoslaves aux côtés de la famille. Lors de cette cérémonie funèbre, ont été pointés du doigt les partis de l'opposition qualifiés de partis de l'OTAN qui seraient responsables de l'attentat. Je vous propose à présent de suivre en Italie cette traque incessante entreprise par les douaniers contre la contrebande de cigarettes, une situation qui touche essentiellement la région des Pouilles sur la côte sud, devenue le maillon faible de la frontière de l'Europe. Au large de Bari, reportage Marcel Tria, Alain Dubas. À quoi bon être discret? En quittant le port de Bari, les hommes de la Guardia di Finanza, les douaniers italiens, le savent bien. Les contrebandiers, déjà prévenus par les téléphones portables de leurs guetteurs, vont les suivre à la trace grâce à leurs radars dissimulés sur les falaises. Mais à 25 km de la côte, ils deviendront indétectables. Ils sont 20 sur le bateau de garde-côte, 3 dans l'hélicoptère, 4 sur chaque vedette rapide. L'une, conçue spécialement pour eux, peut dépasser les 130 km/h. L'autre, un peu moins rapide, a été prise aux contrebandiers. 23h30, nous sommes à 70 km des côtes italiennes. Sur l'écran radar, un écho comme une petite comète. Un bateau trop rapide, pour être honnête. Par radio, les deux vedettes rapides ont été prévenues. La chasse est lancée. Les vedettes rapides sont dans le sillage des contrebandiers lancés à plus de 100 à l'heure. 36. En ce moment même, les contrebandiers sont en train de jeter les caisses de cigarettes à la mer pour alléger leur chargement, pour pouvoir échapper à nos vedettes rapides, s'ils le peuvent. Sur le pont, on se prépare pour l'abordage. À quelques dizaines de mètres, tout à coup, émergeant de la nuit, la vedette des contrebandiers tout feu éteint avec son pilote et ses deux marins. Les douaniers sont plus rapides. Ils vont tenter de couper la route à leur proie. Ils traînent derrière eux une longue corde. La manœuvre, très dangereuse, consiste à faire en sorte que cette corde se prenne dans l'hélice des fuyards et les immobilise. Mais l'adversaire est coriace. D'un coup de barre, il vire de bord et s'arrache aux griffes de ses poursuivants. La poursuite a duré 45 minutes. Une avarie de gouvernail oblige les douaniers, la mort dans l'âme, à rebrousser chemin. Les contrebandiers sont repartis vers le Monténégro sans leur cargaison, récupérée au fil de l'eau par les douaniers. Une perte de 3 millions de francs environ. Mais ils ont sauvé l'essentiel, leur précieuse vedette, leur outil de travail. Point de départ du trafic, le port de Bar au Monténégro, à 250 km des côtes italiennes. Sur ces images, tournées clandestinement, les vedettes bichonnées par les contrebandiers italiens commandités par la mafia des Pouilles. Sur les quais, au grand jour, les caisses de cigarettes prêtes pour le chargement. Certains experts estiment à 40% la part du budget du Monténégro pourvue par les trafiquants. Des cigarettes fabriquées en Italie ou aux États-Unis et qui ont été très légalement exportées vers l'Europe de l'Est par des sociétés écrans. Avant de revenir par la bande, inonder le marché clandestin de l'Union européenne, où elles sont revendues, exemptes de taxes, presque à moitié prix. Perte sèche pour les pays d'Europe, plus de 20 milliards de francs. Lionel Jospin, s'adressant à la jeunesse, évoquait en fin de semaine les accidents de la route et le danger qu'encourent les jeunes conducteurs. Nous avons décidé de nous intéresser à cette opération coup de poing à la sortie des boîtes de nuit en Vendée. François Privat, Philippe Ritten. Une semaine après le rappel à l'ordre des pouvoirs publics face au problème de l'alcool au volant, notamment à la sortie des boîtes de nuit, la leçon ne semble pas être retenue de tous. Une route de Vendée ce matin entre 4 et 6 heures. 235 dépistages ont abouti à 8 contrôles positifs avec retrait de permis immédiat. Donc deux solutions, monsieur. Vous êtes sous le seuil légal et le taux s'affiche. Et j'allais le dire, vous êtes au-dessus du seuil légal. Donc là, la lettre P s'affiche et le voyant passe au rouge. Fréquemment, les gendarmes sont confrontés à l'inconscience des conducteurs pris en faute. Vous êtes positif. Oui. Je suis un criminel.
Je me gare où en fait? C'est une belle ligne droite, c'est une sortie de discothèque dont nous avons une population relativement jeune en sortie de discothèque qui malheureusement est amenée à boire. Et le cocktail ligne droite, alcool plus vitesse entraîne malheureusement de nombreux accidents sur notamment cet axe. Associé au dispositif, les douaniers ont saisi de faibles quantités de cannabis. C'est fréquent ce genre de saisie sur des contrôles le samedi soir? C'est très fréquent, bien évidemment, et malheureusement, je dirais. Et nous avons ces saisies qui sont faites très quotidiennement, je dirais. Rapidement. Si ça peut permettre aux jeunes, ou enfin, pas à tout le monde, quoi, d'avoir mal accident, ça serait pas plus mal. Ça vous arrive d'aller en boîte? Ah ben on en revient là, on revient du pam-pam. Cette nuit en Vendée, 8 accidents ont fait 11 blessés qui pour la plupart sont âgés de moins de 25 ans. Dans le Finistère, alors que se déroulait la fête nautique de Pont-Coblanc à Pleben, 3 personnes se sont noyées, une quatrième est en cours de réanimation à la suite du chavirage d'un canoë. Pour être aux normes européennes, à partir de mardi prochain, tous les marchés de France devront respecter un certain nombre de règles d'hygiène, autant de directives qui inquiètent les petits producteurs, comme nous le montrent ce reportage d'Isabelle Delion et David Bresse. Marie-Laure et Jean-Louis sont voisins au marché de Figeac. Elle vend des lapins élevés en prairie, lui des fromages maison. Tous deux gardent leurs produits au frais sur des blocs glacés. À quelle température exactement? Aujourd'hui, ils sont incapables de le dire. Mais à partir de la semaine prochaine, elle aura une vitrine réfrigérée, car elle sait que la température de la viande ne devra pas dépasser 4 degrés. C'est lourd, ne serait-ce que pour la vitrine de marché, ça représente 9000 francs d'achat. Alors qu'on s'installe, on démarre, on a énormément d'investissements à faire. C'est vrai que j'aurais aimé pouvoir différer un petit peu. On a peur parce que ça va, pour certains produits, ça va limiter la vente. Et il y aura de moins en moins de vendeurs sur les marchés. Selon un arrêté de 1995, tous les produits périssables qui, du fait d'une non-maîtrise de la température, peuvent générer un risque microbien, doivent être maintenus à des températures strictement définies. Sur les marchés, cela concerne aussi bien les fromages blancs que les gâteaux à la crème ou les poulets, comme ceux de cette retraitée qui arrive avec ses 4 volailles et ses 3 douzaines d'œufs, mais sans thermomètre. Il s'agit de protéger les consommateurs, même malgré eux. Les produits qui sont vendus ou les gens se retrouvent à l'hôpital, ce n'est pas au marché, ce n'est pas les petits producteurs. À partir de mardi, les services vétérinaires pourront commencer les contrôles, même si la Direction générale de la consommation indique que cette date n'est qu'une étape dans le processus de mise aux normes des marchés. Si y a des tolérances qui sont admises pour des gens qui sont, disons, en fin d'activité ou qui ont un tout petit volume d'activité, bon, ça ne gênera personne, puisque bon, en réalité, des gens comme moi qui s'installent, qui sont jeunes, qui en font leur activité principale, un investissement, disons que... Il peut être raisonné dans un projet économique. Bernard commence à avoir l'habitude de s'adapter pour être aux normes CE. Ces dernières années, il a fait plusieurs fois des travaux dans sa fromagerie, même s'il n'en voit pas toujours l'utilité. Pour lui, la seule sanction qui compte est celle des consommateurs, qui ne reviendraient pas s'ils n'étaient pas contents. 23e championnat d'Europe de gymnastique artistique cet après-midi à Paris. La Française Ludivine Furnon a remporté la médaille d'or au sol lors des finales par appareil. Aucune faute dans le programme difficile de la jeune Nîmoise qui s'est montrée tonique, confiante et souriante. Et selon un communiqué officiel, le Premier ministre Lionel Jospin souhaite à la Française de rééditer cet exploit dans 4 mois aux Jeux Olympiques de Sydney. Commentaire Nathanaël de Rex. Réfugiée dans les bras de son entraîneur, Ludivine Furnon a du mal à y croire. Pour la première fois de sa carrière, elle est sacrée championne d'Europe au sol. Une performance qui ne doit rien au hasard. Cet après-midi à Paris, la Française était bien la meilleure. Elle a devancé la Roumaine Andreea Raduciu, championne du monde en titre. Souriante, dynamique, expressive... Elle n'a pas commis la moindre faute. À 20 ans, la gymnaste française, médaillée de bronze au mondial de 1995, fait désormais figure de candidate au podium olympique. Cet après-midi, Ludivine a enflammé Bercy. Dans 4 mois à Sydney, Ludivine pourrait bien faire parler d'elle encore une fois en montant sur le podium des Jeux, chercher une médaille en or, pourquoi pas.
La fuite des jeunes talents du football français continue. En 1997, Nicolas Anelka échappait au centre de formation du PSG pour Arsenal. Cette année, 4 joueurs ont déjà quitté la France avant même d'avoir signé un contrat professionnel. C'est le cas de Mourad Megni, enrôlé par Bologne. Reportage Carole Coelho, Guillaume Couette. Ce maillot, il en rêve depuis toujours. Ce maillot, c'est celui de Bologne. Mourad vient de signer dans l'une des plus prestigieuses équipes italiennes. Et ils m'ont même offert le maillot, donc voilà. Ils m'ont écrit le nom derrière, mais ils se sont trompés, ils ont rajouté un I après le H. Ils se sont pris, je sais pas, peut-être que l'accent italien, où ils ont cru qu'il y avait un I. À 16 ans, Mourad a bien le temps de se faire un nom dans le calcio, le championnat italien. Mourad a été formé ici, à Clairefontaine. Comme Thierry Henry et Nicolas Anelka sur le terrain, il est l'un des plus sûrs talents du foot français. Mourad occupe le même poste que son idole, Zinedine Zidane, et comme lui, il marque des buts. De quoi attirer la convoitise d'un club étranger. Encore un espoir qui file au nez et à la barbe des clubs français. Mais l'offre d'un grand du football italien ne se refuse pas. C'est surtout au niveau football ce qu'il lui propose, le plan de carrière, le plan sportif, quoi. Essayer de le former pour qu'il puisse jouer jeune dans l'équipe première, c'est très intéressant. L'argent n'intervient pas? Non, pas du tout. Pas si sûr. Actuellement, à Clairefontaine, Mourad touche 70 francs par jour. À Bologne, il devrait recevoir environ 18 000 francs par mois, sans compter la prime de transfert estimée à plus de 200 000 francs. À ce tarif-là, les équipes françaises ne peuvent pas suivre. Parce que les clubs français ne peuvent pas offrir autant à Mourad que Bologne ou que Manchester. Point final, c'était un problème d'argent, c'est tout. J'espère que Mourad, il a réfléchi dans quelles conditions va-t-il travailler. Est-ce que Bologne va lui permettre de travailler de façon aussi efficace qu'un centre de formation français? En juillet, Mourad quittera sa cité de Champs-sur-Marne, destination Bologne, et aucune loi, pour l'instant, ne peut l'en empêcher. Lorsque les monuments nationaux s'ouvrent aux plus petits, cette opération qui a mobilisé une soixantaine de châteaux, cathédrales et autres sites archéologiques en France, se propose d'offrir aux 6-12 ans un parcours ludique et initiatique. Reportage Christine Beauss, Patrick Schumacher. Noyé dans la brume, le château du Haut-Königsbourg semble figé en plein Moyen-Âge. Des choses bizarres qui se passent ici. Pendant 2 jours, des envahisseurs en culottes courtes prennent d'assaut ce château fort du XIIe siècle, totalement restauré il y a 100 ans, un terrain d'aventure de rêve lorsqu'on a 6 ou 8 ans. On aime bien les châteaux, alors on en profite. Découverte insolite de la vie de château à travers une série d'ateliers comme l'escalade classique ou à l'aide d'une échelle de rempart reproduite à l'identique avec du chanvre. Pour s'échauffer, rien de tel qu'un jeu de quilles tout en bois, une façon d'allier plaisir et découverte. L'idée, c'est de les éveiller, de leur montrer l'architecture et de leur faire aimer le patrimoine d'une autre manière, d'une manière un peu moins classique. Qui dit château fort dit siège et attaque. Pour cela, il fallait construire les engins de guerre sur place. Séance initiation. Je suis en train de fabriquer une bricole, enfin une pierrière. C'est la petite frère du trébuchet. Alors en fait, c'est une sorte de catapulte. Censé tirer des projectiles sur le château assiégé, de quoi en inquiéter certains. Je veux partir maintenant, après je vais attaquer. Combat, technique de cordage ou cuisine médiévale, cette visite hors des sentiers battus devrait attirer ici un millier de jeunes visiteurs séduits par de nouveaux horizons. Le Festival de Cannes avec le dernier film du plus anglais des cinéastes américains, James Ivory. Le metteur en scène s'est intéressé une nouvelle fois à une adaptation d'un livre d'Henry James, avec dans les rôles principaux Emma Thurman et Nick Nolte. Nicole Cornu-Langlois, Nathalie Gallet. Spécialiste des intermittences du cœur, pilier du Festival de Cannes, James Ivory revient avec de prestigieux acteurs pour une adaptation d'un roman de Henry James. Il s'agit de La Coupe d'Or. Sorte de chassé-croisé entre deux couples, le père et la fille et leurs conjoints respectifs. Cette Coupe d'Or jouera un rôle décisif en dévoilant les trahisons des uns et des autres. Cette coupe, c'est le symbole de quelque chose qui devrait être très beau et parfait, et qui se brise, comme le mariage. Et comme la société, peut-être.
Oui, avec ses mensonges et ses médiocrités. Dans l'Angleterre post-victorienne, c'est Charlotte, une Américaine indépendante, ambiguë, sensuelle, qui sème la perturbation. Elle est tellement passionnée, fantasque, vive. Elle avance en équilibre fragile entre un peu de folie et de grandes émotions. My idea is simply that you should be more with my husband and I should be more with your wife. Only for a time. Cette histoire traite de la façon dont un couple peut être heureux malgré les blessures causées par la trahison. Ce que James Ivory essaye de montrer entre comédie et gravité, ce sont les différentes possibilités pour arriver à vivre au mieux. Une peinture tout en nuances des conflits d'amour et de culture par le plus anglais des cinéastes américains. Une coupe d'or trop intimiste peut-être pour atteindre la Palme d'or. En compétition également ce dimanche, le quatrième long métrage de la comédienne fétiche d'Ingmar Bergman, Liv Ullmann, un film qui met en scène un chef d'orchestre de renom et son épouse, un couple dont l'existence va basculer. Antoine Cormeret, Éric Delagneau. Elle fut l'actrice fétiche, l'épouse aussi d'Ingmar Bergman. Mais aujourd'hui, Liv Ullmann préfère se mettre en retrait, derrière une caméra qui lui permet de nous raconter l'histoire destructrice d'une passion amoureuse. Nulla notta bort i soffan. Skulle du möjligen vilja älska mig? Jag fattar vad han hade sagt, men jag frågade i alla fall. Vad sa du? Han vände sig mot mig och... Skulle du vilja älska mig? L'histoire est toute simple, presque banale. Snälla lilla David. Une femme, belle, mariée, mère d'une petite fille, se laisse irrésistiblement emporter par l'amour fou dans les bras du meilleur ami de son mari. Tack för erbjudandet. Jag är faktiskt alldeles för sent påtänkt, för jag ska upp tidigt imorgon och Isabella ska i skolan och så har jag sminkprov och så ska jag repa halvvärda. Cette histoire n'est jamais banale, parce que sur la terre, nous aimons, puis nous mourons, nous souffrons, nous sommes infidèles, les autres nous sont infidèles, et ça se répète encore, et petit à petit, nous apprenons que c'est ça la vie. Le scénario écrit par Ingmar Bergman retrace un épisode douloureux de sa propre vie, une passion étouffée, avortée, qu'il n'a jamais réussi à oublier, et dont il a tiré un script d'une force incroyable. La manière dont Bergman décrit les choses, la manière qu'il a de nous faire comprendre les personnages, c'est en retirant tout ce qui n'est pas essentiel, toute action superflue. Il ne conserve que la substantifique moelle. La Suédoise Lena Endre, qui au théâtre a souvent travaillé avec Bergman, sert admirablement ce personnage de femme à la croisée de son destin. Un rôle taillé sur mesure pour un prix d'interprétation féminine. Et puis la vie à Cannes, comme elle va, celle des festivaliers et des badauds. Cannes, une immense machine à rêve avec ses stars et ses palaces. Photo instantanée, Jean-Jacques Dufour et Patrice Desmaeker. Les palaces cannois, c'est comme les palais des mille et une nuits, ça fait rêver toutes les cendrillons du monde. Malheureusement, Cannes manque de baguettes magiques. Il n'est pas rentré. Vous connaissez regarde, pas vous voyez, vous connaissez ça. Pas Non. C'est un rêve? Je pense que c'est le rêve de tout le monde, oui. D'aller passer quelques nuits dans un palace? Pourquoi pas, oui. Le prix du rêve, c'est 4000 francs la nuit, mais de toute façon, en ce moment, l'argent ne suffit pas, l'hôtel est complet. Enfin, pendant le festival, l'hôtel, c'est une véritable usine à gaz. On est souvent au bord de l'explosion. Dites, j'ai bien compris, c'est un peu compliqué l'organisation pendant le festival pour un grand hôtel. C'est assez compliqué, oui. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Normal, en 10 jours, le palace réalise 30 millions de francs de chiffre d'affaires. Tous les espaces sont loués. Nous transformons une cinquantaine de chambres également en bureaux. Et tous les salons de réception sont également des espaces qui sont vendus.
Strass, paillettes, business, on s'affaire et on fait des affaires. D'ailleurs, certaines disparaissent. Des petites affaires, évidemment, mais quand même. Les peignoirs disparaissaient, les petites cuillères. On a connu beaucoup de collectionneurs d'argenterie de grands hôtels. Et aujourd'hui, on a pratiquement plus de disparitions, pratiquement plus de vols. Logique, il n'y a plus de peignoirs. Non, je plaisante. Grâce au travail des lingères, ils sont même très moelleux. Et à l'heure chic, celle de la montée des marches, les lingères, elles sont sur la planche. À ce moment-là, nous avons tout le repassage, les chaussures à cirer, la dernière bretelle à recoudre, le dernier bouton, le nœud papillon qui a été perdu. À vapeur, à friser ou à défriser, le truc, c'est le petit coup de fer. Coup de fer pour les uns, coup de feu pour les autres, ça, c'est palace. Oui, pour nous, c'est très compliqué, oui. Mais bon, c'est la montée des marches, le festival, on fait avec. Et la montée des marches, ça creuse tellement les invités qu'en cuisine, on commande par tonnes. Tonne et demi de langoustine, homard une tonne, et en 8, 2500 pièces. Vous l'aurez compris, dans les palaces canois, on en pince plus pour les crustacés que pour les citrouilles, et sans citrouille, l'histoire de Cendrillon. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Les Pays-Bas en état de choc après l'explosion en pleine ville d'un dépôt de feux d'artifice, 20 morts, 560 blessés. Avec cette polémique, comment un tel entrepôt pouvait se situer dans des zones d'habitation? Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué. 20h50, votre film du dimanche, Secret et mensonge. 0h20, le dernier journal, Florence Duprat. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-Marie Messier, président du groupe Vivendi. 13h, le journal Carole Gessler, Rachid Arabe. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.